Ça va mieux. Micro. Non, ça va mieux. Ça va mieux. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai entendu beaucoup cette petite phrase ces derniers temps. Non, en fait, ce qui m'a agacé, je vais vous le dire, c'est que tout de suite après, en général, pour exprimer qu'on n'était pas tout à fait d'accord, qu'on n'y croyait pas, on a utilisé une expression que vous connaissez sans doute, en tout cas maintenant vous la connaissez, c'est sûr. On a parlé de méthode Coué. Justement, c'est de cette méthode Coué, et particulièrement de son inventeur, de son créateur, dont j'aimerais vous entretenir aujourd'hui. Il s'appelait donc Émile Coué. L'homme aux 7 millions de défis, je n'ai pas compté. Hein. En fait, il avait un défi un peu particulier, auquel il n'était pas prédestiné, sans doute, et qui était simplement, si j'ose dire, d'aider ses contemporains à relever leurs propres défis. Il était une sorte d'entrepreneur, et j'aimerais vous raconter l'impact qu'il a eu sur un domaine qui a fortement évolué, pris beaucoup d'importance. On peut parler des thérapies douces, psychothérapie. À l'époque, c'était à peine émergent. Et d'un domaine qui fait florès dans l'édition, c'est le développement personnel. Donc, Émile Coué était un praticien et c'était aussi un influenceur, on dirait aujourd'hui. Un networker, on dirait à TED. Alors, il est né en 1857 à Troyes, dans une famille modeste. C'était un bon élève. Il était curieux, mais la modestie des moyens de sa famille ne lui ont pas permis de faire les études d'ingénieur des mines, ni de chimiste. L'histoire dit qu'il voulait être chimiste. Et on le retrouve à 26 ans, pharmacien d'officine, dans sa ville, à Troyes. Alors je vous ai dit qu'il était curieux, et donc il s'intéressait, comme tout bon commerçant, à ses clients, à ses patients. On lui faisait confiance parce que l'anecdote dit qu'il avait l'habitude de rédiger des petites notes personnalisées pour aider ses patients à utiliser les médications qu'il leur préparait. Et on lui faisait confiance. On venait le voir. Et d'ailleurs, à cette époque, je ne sais pas si vous le savez, mais on peut dire que les classes les plus populaires de la population avaient une espérance de vie illimitée, 40 ans, peu d'accès à la médecine, peu d'accès aux médicaments. Et on allait plutôt voir son apothicaire, son pharmacien. Un jour, par exemple, une dame est venue le voir et lui a demandé une potion. Malheureusement, comme aujourd'hui, il fallait une ordonnance. Elle n'en avait pas. Et au lieu de la renvoyer, il l'écouta. Il écoutait toujours ses patients, leurs peurs, leurs angoisses, leurs problèmes. Et puis en même temps, il lui expliqua comment utiliser la potion qu'il était malgré tout en train de préparer sous ses yeux. Une super potion de l'eau distillée. Si, si. Il avait l'habitude, parce que beaucoup de ses patients étaient peu fortunés, de préparer des pilules à la mie de pain, des potions à l'eau distillée. Alors je ne sais pas si c'était sucré ou salé. Mais en tout cas, cette dame est revenue le voir. Quelques jours plus tard, ravie, et vous savez ce qu'elle lui a dit ? Ça va mieux ! Il le faisait assez souvent, et ça contribuait à sa notoriété. Je vous ai dit qu'il était très curieux. Il avait pris l'habitude de s'auto-former, on dirait aujourd'hui. Alors là, vous me direz, en fait, il avait inventé le placebo. Non, il ne l'avait pas inventé, il l'avait lu dans la presse anglo-saxonne depuis au moins un siècle. On pouvait, dans la presse spécialisée, médicale, s'entend, on pouvait trouver des articles expliquant les effets placebo. Pas toujours bien expliqué, mais lui savait que ça pouvait marcher et il l'avait essayé. Je vous ai dit, c'était un praticien d'abord, un expérimentateur. Alors il s'intéressait aussi à d'autres techniques. Là non plus, on ne savait pas très bien expliquer, mais il essayait. Il s'intéressait à l'hypnose. Et à cette époque, en France et particulièrement à Nancy, on s'intéressait de près à ce sujet. Donc, il a lu des bouquins, ceux d'un certain docteur Bernheim,
Il a entendu parler d'un autre médecin, un praticien de la région, qui avait cette particularité, c'est que lorsque ses patients venaient le voir, il leur proposait soit une consultation normale, payante, soit, quand c'était possible, un traitement par hypnose, mais gratuit. Alors ce docteur, Auguste Liébeau, il y a une rue pas loin d'ici, qui s'appelle comme ça, n'était pas riche, mais il avait une base d'expérience importante. Et Coué profita d'une période où ça marchait bien dans la pharmacie pour la mettre en gérance et faire une période sabbatique. Alors d'abord, il a voulu aller à la fac. Coué dérangé, et on peut dire qu'il n'a pas été forcément reçu à bras ouverts, mais surtout, il a mis à profit ce temps pour aller travailler avec ce docteur. Et là, il a fait une découverte capitale pour lui, c'est que les patients, sous hypnose, en règle générale, étaient conscients. On va même dire banal. Ben non, il y avait un débat, il y avait des peurs. On ne savait pas expliquer. Donc, il eut l'idée, en bon commerçant, de se dire, on ne parle plus d'hypnose, puisque le client est conscient, c'est lui-même qui se suggestionne. Et du coup, Coué a eu l'idée de travailler sur ce qu'il a appelé l'autosuggestion. Il a poursuivi sa période sabbatique pour expérimenter directement, recevoir des gens chez lui. Et puis, les hasards de l'économie ont fait que sa pharmacie battait de l'aile. Le revoilà à Troyes pendant 10 ans, avec cette idée en tête et surtout une possibilité d'expérimentation. Il a ouvert une salle à côté de son officine et il a reçu des gens par petits groupes. L'idée était de leur enseigner comment utiliser eux-mêmes ces techniques d'autosuggestion. Et donc pendant 10 ans, il a travaillé à ce qui est devenu plus tard la méthode Coué. Alors qu'est-ce que c'était que la méthode Coué, puisqu'on en parle encore aujourd'hui? Eh bien ça commence par l'idée que l'imagination peut se guider par des suggestions conscientes. C'est ce qu'il a constaté dans sa pratique. Et donc, il utilise un rituel, qui est cette petite phrase qui dit à peu près ceci. Il y en a eu différentes variantes. Hein, qui dit, tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Ah, j'en vois qu'il sourit. Hein. Mais il y avait également une technologie associé, c'était une cordelette avec 20 nœuds que l'on pouvait utiliser comme on dévide un chapelet pour compter le nombre de fois qu'on allait réciter cette phrase. Cette phrase ou une autre d'ailleurs, ça peut être adapté. Et ça, ça avait pour but de débarrasser l'esprit pour ne pas avoir à compter, pour pouvoir se focaliser, se concentrer sur cette idée que l'on souhaite atteindre, cet objectif que l'on a, par l'imagination. Il disait que chaque fois que l'imagination est en conflit avec les raisons, avec la raison, c'est toujours l'imagination qui gagne. Alors je précise pour les experts qu'en même temps se développait la psychanalyse et que les psychanalystes, eux, parlaient plutôt d'inconscient. Mais Coué, lui, s'adressait à tout le monde. Et l'imaginaire, ça parlait à tout le monde. Alors pour illustrer un petit peu ce qu'il entendait par là, je vais reprendre une illustration qu'il faisait. Je pourrais même faire une expérience, mais je vais juste vous la décrire. Imaginez que sur cette scène, nous installions, il y a eu un effort d'installer plein de choses, nous installions cette fois une planche de 5 cm d'épaisseur, de 40 cm de large et de 10 mètres de long, ça ferait toute la scène, et que je demande à l'aimable assistance de bien vouloir se porter volontaire, monsieur, mademoiselle, pour venir marcher sur cette planche imaginaire. Je suis certain que toute personne sobre de cette assistance, et je pense que vous êtes encore tous sobres, pourrait marcher facilement sur cette planche. Aucun problème. Mais prenez la même planche, disait Coué. Installez-la à 20 mètres de hauteur entre deux bâtiments. Que se passe-t-il? Beaucoup moins de volontaires, en tout cas. Pourquoi? Parce que vous vous dites que votre imaginaire vous dit que vous allez tomber. Mais le risque est réel. L'idée, c'est que éduquez votre imaginaire, votre imagination, et vous deviendrez peut-être funambule, si nécessaire, ou toute autre perspective qui vous intéresse pour soigner quelque chose ou pour atteindre un certain objectif. Et il ajoutait, parce que sinon c'est du charlatanisme pur, quand c'est possible, c'est la même planche, c'est possible. Il ne disait pas comme certains, ou comme peut-être certains disent encore,
On va réciter une prière et on va réduire une fracture ou faire pousser un membre qui aurait été coupé. Coué était à la base un scientifique, quelqu'un qui croyait aux causes et aux effets. Et il observait. C'était ça, la méthode Coué. Appliquée à quoi? Alors, appliquée à des tas de traitements, par exemple des toux chroniques, des rhumes que l'on ne soignait pas, des mal de dos, des éruptions cutanées, même des débuts de pneumonie, a-t-on dit. Là, je n'ai pas vérifié. Et puis, ce que l'on appelait à l'époque des neurasthénies, c'est-à-dire des maladies des nerfs, littéralement, c'est-à-dire en réalité, des états dépressifs. Il est donc retourné par la suite dans sa pharmacie. Il a expérimenté cette technique et il a obtenu beaucoup de résultats, tels qu'en attestent en tout cas des milliers de témoignages qui sont historiquement documentés. Alors, je vous ai dit qu'il était praticien, mais qu'il a été aussi un influenceur. La preuve, c'est qu'on a retenu, même de façon péjorative, cette petite phrase autour de la méthode Coué. Alors, comment est-il devenu un influenceur? En 1910, il s'installe cette fois définitivement à Nancy, dans une maison qui est à moins d'un kilomètre, je suis passé ce matin devant, elle existe toujours, et il reçoit des gens pour transmettre sa méthode. En 1913, cette méthode, elle est suffisamment formalisée, ce n'est pas du tout un théoricien, il écrit un petit bouquin que je vais vous montrer, le voici, qui a été traduit dans toutes les langues, un petit bouquin de 25 pages auquel s'ajoutent les témoignages dont je vous parlais, et qui a été véritablement une référence de son époque. Il a également créé avec sa femme Lucie et un certain nombre d'amis une société savante qui s'appelait la Société Lorraine de psychologie appliquée. Et en 1914, évidemment, le conflit éclate et Nancy est sous les bombes, sous la menace des raids aériens déjà. Et il y a des centaines de victimes, beaucoup de gens sont angoissés. Et ces conférences font sale comble. Et lui, il fait merveille. On dirait aujourd'hui, probablement, qu'il a trouvé un moyen simple de traitement des stress post-traumatiques. Et ça lui vaut le support, le soutien de la population, ça lui vaut également celui des anciens combattants, vous savez, ces fameuses gueules cassées qui, après la guerre, se constitueront en sorte de lobby, et ça sera bien utile, parce que la France est probablement le seul pays qui a une loi à l'époque, qui date de 1892, et qui réprime l'exercice illégal de la médecine. Et je vous ai dit qu'il dérangeait, et ça lui a été bien utile d'avoir ces supports-là. Parallèlement, en 1913, vient le voir un personnage qui aura énormément d'importance, un Suisse qui s'appelle Charles Baudouin, qui est étudiant, comme vous, en philosophie, pas comme vous peut-être, et qui vient voir sa mère, qui réside ici à Nancy. Il a d'ailleurs un début d'affection pulmonaire, et il va voir Coué. Il se soigne et décide d'étudier la méthode et de rentrer par la suite dans son pays. En 1920, c'est un intellectuel. Il publie une thèse, sa thèse de doctorat, qui est traduite aussi, et il est connu dans toute l'Europe. Il deviendra psychanalyste lui-même, utilisant les méthodes de Coué, et Coué devient également très connu. Il aura même le soutien de psychanalystes comme Jung, qui est suisse, et même Freud, avec un petit peu moins de vigueur quand même. Le voilà en route pour la notoriété, et dès 1921, des tas de praticiens viennent le voir, étudient, et c'est l'explosion. En 1921, un institut Coué est créé à Londres, puis à Paris, et dans les grandes capitales. Il est invité également à New York, et il faut que je vous raconte l'épisode new-yorkais, parce que je trouve ça très intéressant, et finalement totalement oublié. En 1922 et 23, il est invité aux États-Unis. Et lorsqu'en 1923, la seconde fois, il débarque de son bateau, hein, il n'y avait pas d'avion encore, il y a 40 reporters qui l'attendent. Le New York Times, qui par ailleurs fait des articles quelquefois un peu sceptiques, témoigne qu'à part peut-être Georges Clemenceau, aucun étranger n'a reçu un accueil aussi triomphal. On lui organise 80 conférences dans tout le pays. Et là, c'est le délire. Il y a même un journal qui s'appelle The World qui tient une chronique, un peu comme l'équipe tiendrait la chronique de l'étape du Tour de France. On rencontre de toutes ces conférences. Il rencontre lui-même un certain nombre de notoriétés, de personnes connues. Ici, c'est une cantatrice qui avait une extinction de voix et qui dira qu'elle s'est soignée avec la méthode Coué. Figurez-vous qu'elle chantait mieux après qu'avant. Ça allait mieux pour elle.
Et il a aussi rencontré Thomas Edison, il a rencontré Henry Ford, le président des États-Unis, Harding à l'époque. Véritablement une notoriété qui est devenue mondiale. Il rentre en France. Alors cette notoriété lui vaut un certain nombre de critiques. Hein. Par exemple, les pasteurs. Il est en pleine période de renouveau évangélique aux États-Unis et certains pasteurs, tout de même, font des articles pour critiquer cet Européen athée, il n'est pas vraiment athée, mais enfin pour eux, il est athée, et qui vient chasser sur leur terre, parce qu'eux-mêmes font des tas de conférences sur la mind cure, le traitement par l'esprit. Mais l'optique est différente, ils s'en défendent en disant « Je n'ai d'autre optique que psychologique et médicale, je ne cherche qu'à aider et qu'à guérir. Je n'ai pas de visée prosélyte. » D'ailleurs, en France, ce sera l'inverse, ce seront les catholiques qui lui reprocheront d'avoir été proche des protestants, et les athées d'avoir été proches des religieux. Bon, je ne rentrerai pas dans le débat, mais il a eu une gloire véritablement importante parce qu'il a eu des effets. Et je ne discuterai pas de la nature des effets, mais ça c'est une réalité. Alors, qu'est-ce qui nous en reste, à part la petite phrase que j'indiquais, et puis ce buste qui se trouve dans un jardin public, pas loin d'ici. Mais c'est vrai que dans les années 20, ça a été une très grande notoriété. Dans les années 30, ça a décliné. À partir de 45, on n'en parle plus. Exit quae. Reste encore la psychanalyse, et encore simplement pour les élites. Par contre, il est toujours étudié aux États-Unis. Et il aura sa revanche posthume, parce que dans les années 60, un grand nombre de techniques, vous avez entendu parler de sophrologie, de analyse transactionnelle, de PNL, de techniques de visualisation, de pensée positive. Certaines se réclament plus ou moins de Coué, d'autres pas du tout. Mais il y a ce mouvement qui est lancé et qui revient. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'on peut dire de Coué? C'était, comme je vous l'ai dit, un observateur d'abord, qui avait eu le mérite de se focaliser sur le vivant, sur la réalité. Et puis de créer une méthode simple, partageable, réutilisable pour le commun des mortels. Et en ça, il a été un influenceur très important. Et il a eu réellement, effectivement, des effets. Et pour terminer, je voudrais partager avec vous une réflexion. Et si, par-delà les clichés, dans ces périodes un petit peu de crise ou de doute, et si nous regardions réellement les apports de ceux qui ont été de véritables découvreurs, de véritables expérimentateurs, et qui n'ont pas hésité à partager leurs résultats. Et là, je vous garantis que cet après-midi, sur cette scène, vous allez en voir quelques-uns. Alors peut-être pourrions-nous dire, ça va mieux. Je vous remercie.